Mais où est le point d'accès au droit à La Réunion? Il est censé servir gratuitement les justiciables, mais on n'arrive pas à mettre la main dessus. Ce qu'on a trouvé en revanche, ce sont les jardins de Fontimard, un lieu où des salariés en insertion réhabilitent des terres en friche. Forêt comestible, forêt endémique, boutique de produits transformés sur place, le site est en évolution. La balade informative de la semaine se poursuit en bord de mer où des requins sont actuellement marqués et déplacés pour expérimenter une technique de protection des bêtes et des hommes qui fonctionne au Brésil. Petit détour ensuite par les avirons à la découverte de 400 spécimens de tortues terrestres, puis retour dans le gris du côté du centre dramatique de l'océan Indien où Luc Rosello, son directeur accusé d'inceste par ses filles, vient de démissionner. La suite n'est malheureusement pas virtuelle quand Cronia liste les catastrophes environnementales liées à l'utilisation de ChatGPT. Est-il temps de revenir au papier? Ça tombe bien, notre écotuto de la semaine nous apprend à en fabriquer. Pour comprendre de quoi parlent ces articles à peine évoqués et pour découvrir toutes les autres productions de cette nouvelle édition, une seule solution, filez sur parallelesud.com.